Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 2 du mois de février et remplir le porte-monnaie pour la semaine 3. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons pour le moment une voiture en location longue durée, donc une voiture familiale 7 places. La deuxième arrive au mois de mars, une voiture 5 places par contre. Mon mari est en CDI à temps complet, il travaille en horaire décalé et moi je suis actuellement au chômage indemnisé suite à mon licenciement. Nos filles mangent à la cantine lundi, mardi, jeudi et vendredi. Sinon, les autres repas se font à 6, sauf le samedi soir et dimanche soir où on est 5, et le vendredi midi, je suis toute seule à la maison. Nous avons un chat de bientôt 10 ans. Nos filles donc sont âgées de 11 ans bientôt pour la plus grande et 5 ans pour la petite dernière. Et elles n'ont pas de moyens de garde puisqu'on a toujours fait en sorte d'avoir des horaires qui correspondent. En tout cas, pour le moment. Nous avons atteint la barre des 2000 abonnés. Alors, merci beaucoup à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Je voulais aussi vous remercier donc pour tous les messages parce que je suis donc malade et que j'ai un jour de retard sur la publication de cette vidéo. Mais voilà, je ne pouvais vraiment pas la faire hier, aujourd'hui. Honnêtement, ça va un petit peu mieux. Je pense que vous l'écoutez à ma voix. J'ai encore un petit peu de problèmes au niveau de la respiration, puisqu'en fait ça a commencé jeudi par le nez qui coule, un simple mal de tête, vendredi qui s'est transformé en un mal de gorge, très gros mal de tête, et puis samedi donc au réveil, et ben grosse toux, le mal de tête toujours présent, et puis comme je suis asthmatique, et ben c'est descendu dans les bronches, donc on fait un petit traitement de fond. Et puis ça va mieux, mais j'ai encore du mal un petit peu à respirer puisque j'arrive pas à prendre une respiration, une grosse respiration d'un coup sans avoir une quinte de toux ou alors que ça me brûle dans les poumons. Mais bon, ça faut le temps que pour les personnes asthmatiques, elles savent quand on a les bronches qui sont touchées, ça prend un petit peu de temps après à se remettre en ordre. Mais bon, on est sur la bonne voie, donc je m'excuse si je vais quand même couper, hein, si je me mets à tousser ou à renifler, quoique le nez va quand même mieux, mais voilà, je ferai des petites coupures, donc ne m'en voulez pas si la vidéo est un petit peu saccadée. Je voulais aussi vous informer, donc j'ai eu le résultat de mon entretien ben, ce matin, donc il est négatif, ils ont pris quelqu'un depuis hier en essai, ils gardent quand même mon CV, enfin bon après voilà, le petit blabla quotidien quand on refuse quelqu'un, c'est pas grave, de toute façon... Il y a d'autres, je le trouverai ailleurs, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont venues me voir en privé pour me demander. C'est vraiment très, très gentil de votre part. Je vous ai mis aussi à disposition sur mon Drive, vous retrouverez donc comme d'habitude sous la vidéo tous les liens, les nouveaux défis donc créés. Vous avez la fête des grands-mères. Donc ce sont des défis en fait à personnaliser au niveau du montant. Pourquoi j'ai pris cette initiative-là? Parce qu'on n'a pas tous et toutes le même nombre de grand-mères à qui on fait un cadeau. Voilà. Ensuite, vous avez la fête des grands-pères. Voilà. Donc, j'ai pris le mug avec du café ou du thé. Parce que quand on va voir mamie, en général, on boit toujours un café ou un thé. Et quand il y a le papy ou le pépé ou le papé, comme vous voulez, ben, il est souvent en train de lire le journal. Donc je suis restée un petit peu sur ce principe, voilà, le papier avec son journal et mamie avec la tasse de thé. Vous avez, je vais laisser par là, aussi donc fête des grands-parents. Donc moi en fait je ne vais pas faire deux trackers séparés malgré que je les adore. En tout cas pour cette année, peut-être que l'année prochaine je verrai les choses différemment. J'ai décidé en fait de faire un seul tracker, comme ça au moins on peut... On fait les deux en même temps et j'ai fait à l'image d'un certain dessin animé. Certains peut-être le reconnaîtront que j'adore un dessin animé, que un de mes préférés en fait de Disney, si c'est pas mon préféré d'ailleurs. Pour moi, je l'ai personnalisé, il y a 10 ballons, donc j'ai mis 10 euros le ballon et ça fait un objectif à 100 euros. Qu'on va mettre directement en même temps dans mon petit classeur de défis.
Donc, dans mes défis à thème, hop, on va mettre la fête des grands-parents. Et vous avez aussi la date. Il faut que je le note parce que je n'ai pas regardé exactement la date. Pour moi, je l'ai fait en format enveloppe. Comme ça, je ne remets pas d'enveloppe et ça prendra moins de place. Ensuite, nous avons la fête des mères. Voilà, donc il y a 10 cœurs. Un cœur, pour moi, est égal à 10 euros. Et on me fait ce qui fait un objectif à 100 euros. C'est mes préférés, ceux-là. Enfin, j'ai vraiment adoré les créer, ceux-là. Pareil, je l'ai fait sous format enveloppe. Et j'ai aussi mis la date. Donc, il faudra que je remplisse. Et la fête des pères, pareil, la date, sur le même thème que la fête des mères, avec 10 petits cœurs. Et un cœur est égal à 10 euros pour un objectif de 100 euros. Voilà. Pareil, pour moi, je l'ai fait en format enveloppe. Je tenais aussi à m'excuser parce que du coup, j'ai pris du retard dans vos demandes et vos envois. Donc, j'essaye de m'occuper de tout ça cette semaine pour que tout soit fait. Donc, aujourd'hui, on est mardi, pour que tout soit fait avant jeudi soir. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. J'ai juste pris un peu de retard parce que j'ai dormi, dormi et dormi. Donc, concernant notre budget pour cette deuxième semaine, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, hein, tout est en cours. Juste, bah, encore la taxe foncière, ils nous ont encore prélevé que 16 euros au lieu de 160. Donc, j'ai rebasculé 144 euros sur le fonds d'urgence. Et ça, je vous l'avais parlé dans la vidéo. Comme on a décidé de remodifier l'année 2024, le budget de l'année 2024, j'ai eu pas mal de retours positifs de votre part. Donc, je suis contente que vous avez réussi à tout suivre, en fait. J'espérais être claire et apparemment, c'est chose réussite. Donc, je suis bien contente. Alors, on va d'abord récupérer notre semaine 3 ici. Et nous devons avoir 80 euros pour les courses, 10 euros pour la boulangerie et 10 euros pour le divers. Donc, 80 euros pour la boulangerie, pour les courses, pardon. 10 euros boulangerie et 10 euros pour le divers. On va commencer par le porte-monnaie de la boulangerie et il nous reste à l'intérieur 1 euro, 2, non, 2, 4, 6, 7, 1,75 €. Vais mettre là, comme ça vous verrez. On va remettre les 10 euros dedans. Pour les courses, alors, combien il nous reste? 5 euros. Divers, ben, on n'a pas touché les 10 euros, donc on va les laisser dedans. Et on va prendre cela, donc plus 10. Et le reste, ben, pharmacie, c'est pour le mois prochain. Loisirs, on a des pièces donc, dans le porte-monnaie. Pépère, on n'est encore pas allé chercher ces petites croquettes. Et ici, donc, il nous reste 19,20 € sur le budget course en CB et sur le carburant, il nous reste 107 euros. On va remplir puisque du coup, je n'ai pas rempli en même temps. Donc, on va prendre les 80 euros pour les courses. Vous m'avez demandé aussi d'où venaient ces petites enveloppes. C'est moi qui les ai créées en fait. Hein. Je me suis basée sur l'image de mon virtuel et j'en ai créé en fait des enveloppes. Ici, il nous reste. Donc on a 5 euros en pièces. En pièces rouges, nous avons. 33 centimes. Ensuite, nous avons ici, je sépare en fait mes pièces rouges, mes pièces oranges et mes pièces de 1 et 2 euros dans mon porte-monnaie et je mélange toute la monnaie en fait.
1,30 € donc plus 1,30 plus on a eu donc le miel, la commande a été faite, plus 8, donc on a 31,38 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement prendre les pièces et récupérer mon billet de 10 pour la boulangerie. Comme ça, ce sera fait. Donc 2, 4, 6, 7, 8. 10. Donc on est à 9. Je prends le maximum de petites pièces, hein, 9. Et là, on va dire 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Et voilà pour les 10 euros de boulangerie. Je prends mes deux pièces de 1 ici. Voilà, je fais mon petit trafic avec vous, hein, comme ça vous voyez vraiment ce que je fais hors caméra. Petite pièce qui est partie là. Donc là, ça, on est bon. Ensuite, est-ce que je peux remplacer donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Et je prends une pièce de 10 centimes, ça fait 20 centimes. Et je récupère pardon, une pièce de 20 centimes ici. Comme ça, j'ai le moins de pièces possible. Et donc, on doit avoir 31,38 €. 10, 20, 25, 27, 29, 31. Donc, 31, 20. 30, 35, 37 et 38. Donc on a bien nos 31,38 € à mettre dans notre enveloppe gain. On va le rajouter ici. Donc plus 31, 38. Plus 1 euro qu'on a mis dans le défi flash en début de semaine, plus les 10 euros qu'on a pris dans le pic pièce, on a une économie de 42,38 € pour la semaine 2. Je vais le mettre en rose ici, ce sera plus simple pour le calcul à la fin du mois. Et là, on est à 6,44 plus 9 plus 2 est égal à 17,44. Voilà. Je ne sais pas si je vais laisser comme ça ou pas. J'ai fait un petit truc juste avant la vidéo, là, en format A6. Et le pique-pièce, donc l'argent est là. Donc, on a bien rempli pour la deuxième semaine. 2, 4, 6, 7. Ah oui, j'ai rajouté. De toute façon, on va venir effacer. On va faire plus 10 ici. €19 ici. Ensuite, S3, on verra donc combien on va venir prendre. Donc voilà, ça c'est prêt pour la semaine 3. Et janvier, donc on verra plus tard. Je me dis que j'ai toute l'année pour le faire celui-ci. Alors, on va ranger donc nos petits sous dans notre enveloppe économie du mois. Et après, je voulais voir avec vous aussi certaines choses. Je suis désolée, je pense que vous ressentez que je suis fatiguée, mais voilà, j'ai quand même voulu tourner cette petite vidéo. On va jouer donc à notre défi flash, comme d'habitude. Donc pour la semaine 3. On est en semaine paire, on a fait 3.
On doit économiser 4 euros. Donc 4, ce qui nous fera 7 euros ici. Je viendrai récupérer les pièces dans la semaine parce que je ne veux pas tout prendre dans boulangerie, sachant que c'est les vacances scolaires et qu'on va aller donc va chercher du pain vraiment tous les jours, surtout pour le petit déjeuner le matin. Donc je viendrai récupérer dans la semaine mes 4 euros pour mettre dans mon défi flash. Excusez-moi encore, je vous ai encore fait bouger. Pour les ventes gains, donc je remercie puisque j'ai eu Marina, si je fais pas d'erreur, qui a utilisé donc mon lien chez Boursorama quand il y avait l'offre pour 150 euros pour elle. Donc elle en a profité, donc j'ai pu moi avoir 100 euros et j'ai fait une vente Vinted à 30 euros. Donc depuis le début février, on est à 275 euros dans cette enveloppe. Mais là, on a 130 euros qu'on va venir placer donc dans nos fonds, puisque vous savez que vente gain, je les place dans les fonds. Dans les mensuels, on va mettre dans. On va compléter en fait joyeux anniversaire le mien. On va rajouter, donc on va vérifier déjà 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 qui fait donc 130 euros. Donc on va rajouter 50 euros pour mon anniversaire. Donc 100 euros, ce qui fait qu'on sera à 350 euros dans cette enveloppe. Donc ça, c'est pour mon mari. Non, pour ma fille, pour mon mari, pour ma nièce. 2, 3, 4, 5. Et là, c'est pour moi. Donc on est bien à 100 euros. Et voilà. Donc ça, déjà, c'est fait. Alors, avant de finir de placer cela, je vais remettre les 85 euros, vous savez, que je devais retirer. Je les ai retirés. Enfin, j'ai pas retiré 85, j'ai retiré 80 euros. Donc, on va mettre les 80 euros qu'on doit mettre ici pour rattraper. Donc, 2, 4, 6, 7 et 8. On va les remettre ici. Et comme ça, on sera bon. Ça, il manquera donc 5 euros. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc on est bien à 310 maintenant. Mais il fallait qu'on soit à 85, à 315. Parce que si je fais le petit calcul, ,345 et j'ai le promotion, voilà, c'est moins 30, puisque j'ai le promotion qui est ici. Je vous ai dit que celui-ci, je voulais tout le temps l'avoir avec moi. Donc il est là, on ne l'a pas encore utilisé, hein. Il y a bien les 30 euros. Donc on doit bien avoir 315. Donc ici, on va mettre moins 5. Donc j'espère que je ne vous perds pas trop. Ça, on verra après. Et ensuite, donc il faut qu'on place le reste. Bonbons d'Halloween, c'est dans longtemps, mais honnêtement, on va les mettre. Ce sera fait. Puis on ne sait jamais si des fois ils sortent des bonnes offres avant, hein, parce que maintenant tout sort en avance. Donc il nous reste 2, 3, 4, 5. Les 50 euros, on va les mettre dans le projet pour le PC portable.
J'ai pas encore d'objectif parce que je sais pas encore si on part sur un PC basique ou si on part sur un Apple, sachant qu'on aimerait bien avoir un Apple. Donc on est au mois de février et on va mettre, on va dire que c'est donc un gain plus 50 euros. Donc on est à 50 euros dans cette enveloppe. Voilà, il faut bien la commencer à un moment donné, celle-ci. Je vais revenir sur mes pépettes. Ici, donc vous savez, c'était les 75 euros que je leur avais enlevés de la petite enveloppe qu'il y avait dans mon A7. Ici, là, elles avaient donc 75 euros ici. Donc j'avais enlevé parce que je trouvais que ça faisait trop à avoir dans ce petit classeur. Donc on va leur mettre dans leur enveloppe. Donc je vérifie 20, 30, 40. 50, 60, 70, 75. Je vais récupérer donc 5 euros qu'on va mettre dans Barricade, puisque il me manque 5 euros, que je ne peux pas retirer 5 euros, donc c'est pas grave. Ici, il y avait les 20 euros que je leur avais mis avec vous la dernière fois, qu'on va récupérer aussi et qu'on va diviser donc par 4. Donc là, elles ont, oh là là, 20. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. 90 divisé par 4 est égal à 22,50. Donc on va faire 80 divisé par 4 qui est égal à 20 euros chacune. Donc là, je leur ai mis leur petite enveloppe chacune. Donc pour ma première, on va lui mettre 20 euros. Je viendrai faire un échange hors caméra pour lui mettre deux billets de 10. Je trouve que c'est plus facile. Ensuite, ma deuxième, on va lui mettre donc les 20 euros aussi. Ensuite, ma troisième, donc 1, 2, 3, 4. Et ma dernière, 1, 2, 3, 4. Et donc, il restera 10. On va rebasculer donc dans les fonds puisque c'était déjà des fonds. Ici, on va remettre donc les 5 euros qui manquaient. Du coup, on est bien à 315 euros ici. On va récupérer un billet de 10 et je vais mettre deux billets de 5 dans l'économie du mois. Hop. Donc les 10 euros qui restent, on va commencer l'anniversaire de ma petite qui sera au mois de septembre. 10. Donc ce qui nous fait 360. Donc voilà le défi pique-pièce pour le mois de mars que vous trouverez donc juste après la vidéo sur mon drive. N'hésitez pas à me dire hein, quand vous prenez des défis sur mon drive que je vois si ça vous plaît ou pas. J'aime bien avoir un petit retour pour ça. Voilà, donc avec des petits trèfles, et cette fois-ci, ce sera les trèfles à barrer une fois que vous avez pris une pièce dans le porte-monnaie. Et il y a donc 7 trèfles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur ce, je vous laisse sur cette longue vidéo. Je m'excuse encore parce que je suis donc fatiguée, donc elle n'était pas très très dynamique. Ne m'en voulez pas. Et puis, de toute façon, on se retrouve lundi prochain, donc pour la clôture de la semaine 3 et remplissage de la semaine 4. Et puis, peut-être que je serai prête pour vous annoncer le concours des 2000 abonnés. Je vous laisse. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Et surtout, passez une très belle semaine. À bientôt. Bye bye.